7, c'est à l'arrière. Derrière le premier coup. Attends, la flèche est là, le 7 est là. Tu sais quoi, Jean-Michel, on met les bancs. Les bancs pour libérer le... Les bancs. On mettra les bancs après. Allez, enlève-le. Je vois pas, on est bon? Là, on est bon. Il est bon, c'est bon. Entre-le, c'est bien, il est bien. On n'est pas trop mal là. Et t'as pas un autre anneau pour accrocher ta livre? T'as de l'eau dedans, j'ai là. On va voir un coup. Ah bah oui. Ah bah non, j'ai pire chez nous, les gars. Et il ne l'avait pas dit avant. Tu vois le petit trait blanc là-bas, là, entre le bout de bois qui est à l'horizontale. Ouais, vous voyez ça, vous avez alors, monsieur le directeur, les mariniers de Brière et du Brivet sont heureux et honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et si nous accueillons ce matin le directeur du parc naturel régional de Brière, nous espérons que ce soir, nous aurons un ami de plus. Et pourquoi pas, dans quelques temps, un marinier de plus. Ceci dit, monsieur le directeur, vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. Parce que pour être parmi les mariniers, il faut le mériter. Et pour ce faire, vous allez être soumis à un certain nombre de contraintes. Des contraintes en harmonie avec ce grand marais de Brière. Je vais donc vous demander, bien humblement, monsieur le directeur, de vous mettre des chauds. Alors, le mot des chauds étant un mot particulièrement bruyérant, et il y a une personne qui ici est bien sensible à ce mot et qui va vous expliquer ce que veut dire le mot des chauds, c'est Jean-Paul Régent, qui est un marinier, mais en même temps c'est le président de la pierre chaude. Donc la pierre chaude a un rapport avec des chauds. Voilà. La pierre chaude, pourquoi la pierre chaude? Parce qu'autrefois les anciens disaient, quand arrivait le 25 mars, aux enfants, ils leur permettaient de se mettre des chauds, de marcher pieds nus. Donc c'est parce que le printemps était arrivé, donc c'est aussi le renouveau, donc ça nous, c'est le nom de notre association, la pierre chaude, c'est venu de ce mot-là. Donc se mettre des chauds, c'est ce... Mais je vois que vous aviez déjà utilisé, le dictionnaire est déjà pensé parce que vous aviez commencé, hein, donc on vous a rien appris. Oh, c'est dommage. Alors, vous mettez des chauds, une seule chaussure suffira. C'est fera. Si tu relèves ton pantalon. Ouais, il vaut venir. Alors, et ensuite, monsieur le directeur, afin de connaître un peu mieux vos origines, vous allez délicatement
plongez votre honorable pied dans ce délicieux mélange d'eau et de noir de Brière que l'on appelle du bouilli. Pourvu qu'il n'y a pas une écrevisse. Là, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà, c'est bien. C'est bien. Alors là, mes amis, il faut que nous soyons très vigilants pour voir ce qui va se passer. Si le bouilli passe entre les orteils, ça n'est pas un brillant. Ça n'est pas un brillant. Alors apparemment, le bouilli est passé entre les orteils. Ah, il est passé. Mais monsieur le directeur, rassurez-vous, vous serez quand même accepté parmi nous, mais non reconnu comme brillant pur. C'est regrettable un petit peu. Un brillant pur, il a des pattes palmées. Et lorsqu'on a les pattes palmées, le bouilli ne passe pas entre les orteils. Alors, monsieur le directeur, merci d'avoir accepté de bon cœur cette expérience qui n'avait pour seul objectif de passer un bon moment parmi nous. Hein. Merci de votre compréhension. Et maintenant, place à la fête et place à la chanson. Allez, où les boules ? On a de l'eau, on a de l'eau. Tu as aussi une serviette. Il a une serviette. Tout est prévu. Ah oui, c'est là-bas. Ça, mais ta serviette. Bruno, selon le rite de notre confrérie, le lavement des pieds au bouilli clairet. Ce cérémonial unique et peu usité à ce jour a été pratiqué par Jean dit l'amiral, au lieu dit les quatre canaux, point central de notre cher marais de Grande Brière Meutière, vers 10h, Ekiek. Ekiek. C'est plutôt en jeu à Ekiek maintenant. C'est pas prévu. Hein. Cérémonie faite sous la présidence de Jean Bay et de l'ensemble des mariniers. Fait le 7. Et marinières. Fait le 7 septembre. 2014 à Saint-Joachim. Voilà. Voilà. Et puis on va vous offrir un peu de notre terre de Brière avec un mortard et une motte. Merci. Voilà. C'est un trophée. Et puis ça c'est en souvenir du Gatéma quand il y a eu la pose de la première planche. On avait mis la consigne qui avait été donnée à l'occasion avec pour la date de la pose de la première planche. De la première planche. Ah, merci beaucoup. Et voilà, c'est pas le tout, mais ça se finit en chanson. Comme c'est l'édition de l'association, on a édité, enfin, grâce à notre copain André, le répertoire des chansons qui ont été écrites pour une grand-mère par Robert, qui n'est pas là aujourd'hui. Et c'est un papier normalement qui, même s'il y a de l'eau, ça a pris le bon prix. Donc voilà. Mais ils sont en chapelet. Donc c'est pas des cornichons. Ne traitez pas le président de cornichons. On a su. Une ligature sur les rames. Il n'y a pas d'étage devant là-bas. Non. Derrière non plus. Hein? On lâche comme ça. Voilà. Merci. Allez. Alors, on va arriver juste pour 4 heures. Ah bah, trop pas vrai. 4 heures à nous. C'est une belle aventure, prendre les mûres et taille le bois, n'oublie pas la voilure. L'argile est du sable. Donc ici, de ce côté-là de la Brière, en fait, c'est pas du tout les mêmes choses. C'est ça que je vois, je comprends tout ça.
Il y en a certains, il y en avait une qui servait de restaurant, j'en avais un qui était penché sur les avec la sécheresse, l'humidité, ça bouge quand il y a eu la grande année de sécheresse. Il y a beaucoup de fissures qui sont ouvertes partout. Un autre, hein? Oui, je pense que c'est en 2003, mais il y en a une autre plus récente. Allez, la sacoche. T'as ta chaîne dessous, t'as créé une autre. Il fait pas mal là, sur passe là. Attends, on passe là. On va faire sortir la femme. Oui, mais attends, celle-là, tu l'as emmenée avec le président Anthony, tu l'as rendue. Le baptême pareil. De l'association là des. Alors, à la vitesse, ils vont, ils vont bien trembler avant la neige. Le Yeti, il est rentré tout seul? Bah, oui. Apparemment, on le voit pas. À moins qu'il s'est trompé parce qu'il n'y avait plus la devoir ni GM. Non, mais je le voyais. Donne-lui ça, et puis c'est bon, il va dire. Comment ça? J'ai une perte.
Ah, nos copines qui viennent nous voir. Ah non, 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 traverse pas là, toi. On va pas les trapasser après. Regarde un petit coup. Attention aux oreilles, les enfants. Attention aux oreilles. Il est vraiment arrêté. Là, on marche arrière. Ah, ici, le premier.